18h en banlieue parisienne. Les yeux et le pouce sur son smartphone, Cédric ressemble à beaucoup de Français de retour du travail. Sauf qu'il n'est pas en train d'envoyer des SMS. Du bout des doigts, cet homme pilote sa maison. Là, je dis à la maison que je rentre, donc les volets vont s'ouvrir. Chez lui, Cédric a relié des dizaines d'objets à Internet. Il les contrôle à distance, grâce à son téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler d'autre à partir de votre téléphone ? Alors, à partir du téléphone, il va être possible de contrôler l'intégralité des lumières. Dans toutes les pièces de la maison, des caméras de surveillance, elles aussi connectées. Imaginons que je ne sois pas à la maison. J'ai besoin de vérifier pour une raison ou pour une autre ce qui se passe dans la maison. J'ai un accès direct à l'intégralité des images prises par les caméras de la maison. Les chambres de mes filles, l'entrée, le garage, l'extérieur. Même si vous êtes en vacances ou ski... À partir du moment où mon téléphone capte, j'ai accès à la maison. Au moment d'aller se coucher, il appuie sur « Bonne nuit ». Tout le pavillon se met en sommeil. Maison, mais aussi santé, électroménager. Des dizaines d'objets connectés sont déjà disponibles en France. Comme la fourchette connectée. Elle vous alerte si vous mangez trop vite ou si vous ne mâchez pas assez. La raquette de tennis, qui enregistre les performances du joueur et les compare à celles de Rafael Nadal. Cette tige plantée dans la terre. Elle prévient quand les plantes ont besoin d'eau. Ou encore, le réfrigérateur dit intelligent. Il envoie un SMS à son propriétaire quand il n'y a plus de lait. Il peut aussi passer commande automatiquement sur le site d'un supermarché. En 2020, 80 milliards d'objets connectés peupleront notre quotidien. Comme ces voitures qui rouleront sans conducteur. Comment fonctionnent ces objets d'un nouveau type ? Les utilisateurs l'ignorent souvent. Tous ces dispositifs recueillent des données sur leur vie privée. Sont-elles bien protégées ? Allez simple pour un futur très proche.